les gens vont considérer quoi? Elle fait rien. Il y a des cette femme-là. Je me demande, elle a quel âge réellement même? Parce que vraiment, Oh, le problème, c'est une c'est quand réaction. elle passe et puis elle parle de glagla, et puis les gens arrivent et puis elle parle plus. Tu t'as pas pour faut casser, non, on va rancher dessus. Tu Mais sais, je nous, suis on pas va d'accord. passer le papou, on va rancher là-dessus. Moi-même, mon propre papou, il est ranché. Mais surtout qu'il faut qu'elle apporte les preuves. Parce que les papeaux de l'évangile selon Saint Marc, là, ça fait plus. Non, moi, pour moi, il n'y avait pas preuve. Elle a, on s'est béré. Moi, il n'y a Ah pas non, preuve. moi je renchéris pas sur les bérets On sans va preuve. rentrer dessus. Elle a fait quoi, une preuve? Non, Leur moi j'ai papa, besoin de là, preuves. ça traîne sur Facebook. Ça traîne sur Facebook depuis des années. Hein? Il y a Et pas puis même preuve. là, qui ne gaspille pas, donc même là, même si est-ce qu'il le connaissait, où t'as jamais fait, hein? Qui n'a jamais fait ça? Pas on dirait que c'est une nouveauté en fait. Comme si c'est extraordinaire, Même bêtise. Glicorina, celle qui est sur Facebook qui fait capture pour aller mettre sur sa paille pour nourrir elle et puis ses oisillons là, sa porcherie là. Celle qui a convidé Kokotaï là, hein, on appelle Glicorina. Si tu as déjà vu sur TikTok, Facebook, une fille qu'on appelle Glicorina, Non. elle ne peut pas s'asseoir elle-même et puis me clasher. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va prendre des audios d'un palabre qu'il a envoyé en prison. Hein. Elle va soulever ça pour venir leur donner à elle pour qu'elle me clashe elle, ça, sur Facebook. Si tu Mais c'est normal, elle-même sait qu'elle n'a pas qu'elle. Elle-même sait qu'elle, où elle est là, c'est fini pour elle. Il faut qu'elle trouve un moyen de te clasher, aïe. Facebook ne me tuera pas sur TikTok. Vous avez fait ça sur Facebook. Toi, tu sais comment ça s'est terminé pour toi. Maintenant tu donnes à tes camarades. Hey, c'est du réchauffé. Envoyé. Et puis, on dit dans l'audio là, non. Elle dit, il y a un audio dans l'audio là. On dit, moi, j'organise partout chez moi. Et puis, il y a nom de personnes, des gens dedans. Hein. Les gens que leur nom, ils sont dedans là. Quand vous allez mettre votre audio là, vous la connaissez, non? Il y a une fille à son nom dedans. Elle et moi, on ne se connaît pas. On ne s'est jamais vu. C'est sur TikTok, Facebook, les réseaux sociaux que moi je la vois. On ne s'est jamais venu de poigner de loin. Son nom est dit que moi, il organise partout chez moi. Et Influenceur, elle, il faut te mettre. Influenceur, c'est il faut te plus mettre en partout. jeu. Même si tu S'il vous plaît. organises partout chez toi, là, le problème, il est Motion, où? motion, motion, Attends, motion. il Je suis d'accord. Elle n'a qu'à envoyer, mais on va rentrer dessus. Il a donné les détails de partout. Motion, motion, la grando. Motion, la Pour grando. savoir. S'il te plaît, la grando. S'il te plaît, motion, pardon. Oui. Influenceur, mettez. Ah, la grando, tu es modératrice. Mettez Koulibaly en grand. On dit, Serge Tano, apparemment, dit qu'il a beaucoup à dire. Donc, on va l'écouter, s'il vous plaît. Merci. Bonjour, monsieur Koulibaly Ousmane. Oui, bonjour. Comment allez-vous? Ça va, je sais pas pourquoi la cam ne passe pas. Bonjour. Tu travailles au port? Envoyez-lui du matin. Non, 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 le monsieur est venu, il veut parler. Il veut mettre sa On vous caméra. envoie. Donc... Vous dites? Je vous ai envoyé une invitation de caméra. Vous voulez mettre la caméra? Oui. Je vous ai envoyé une invitation, mais ça passe pas. Ça passe pas, non. Je sais pas Et pourquoi. vous sur votre sur votre sur votre profil et activez la caméra. J'ai appuyé, on me dit que accès au live et quoi là? Vous n'avez pas assez d'abonnés. Il est passé en live. Ah, ok. N'a pas beaucoup Non, non, d'abonnés. oui. Ousmane. Vous pouvez pas aller en caméra. Attends, attends, Je te attends, c'est connais. qui? J'avais bougé un peu, famille. C'est qui? On dit, c'est un monsieur, il a des informations pour nous. Non, Ok, c'est mais. Serge qui l'a fait. Non, Quand... attendez, attendez, c'est Serge qui l'a dit de le faire monter. Bon, je ne sais pas qui il est. Bon, abonnez-vous à lui, s'il vous plaît. Il lui reste 20 abonnés. Bah, il a 982 là, 8, Je le 12, connais, c'est 12 mon ami en personnes. plus. 12 personnes, s'il vous plaît. Il va avoir ses 1000 abonnés, pardon. Il y a eu 16 personnes. 12 personnes, s'il vous plaît. Il va avoir ses 1000 abonnés. Il faut 1000 abonnés pour, comment on appelle ça, pour mettre la caméra. Regardez les gens s'abonnent à vous. Faites le retour aux gens. Abonnez-vous au monsieur Et à Koulibaly, bientôt vous abonnez, Ousmane monsieur. Cheikh. Abonnez-vous aux gens qui s'abonnent à vous aussi. Ah non, mais attends, je vais Ok, il n'y a m'abonner pas de à lui. souci. Il vous fera un retour. Il reste 6 personnes. 6 personnes, s'il vous plaît. On s'abonne à Koulibaly, Ousmane Combien il Cheikh. m'abonne? On Oui. tapote, on partage. On s'abonne à Aussi. Koulibaly, Ousmane. Combien il m'abonne? C'est bon, Une personne. calme. Il reste une personne. Oui. On s'abonne à Une personne, c'est bon. Je t'envoie un message en privé. Tiens bien, moi, ta demande. Ok, c'est bon, c'est parfait. 1008 personnes. Vous pouvez ouvrir votre D'accord. caméra. Mais on me dit toujours ce que c'est requis. Il faut une invitation. Non, attends, descends. Descends et puis remonte. Faites le dessin, il va remonter. Ouais, descendez et puis remontez. Non, ça marche pas là. Fais attention aux voitures. Marie, excuse-moi, je vais t'emporter ta place une minute.
Voilà, maintenant, plus personne ne monte, le monsieur là va monter, il reste une place, le monsieur là va venir, il s'appelle Koulibaly. Blagla, occupe-toi de lui, s'il te plaît, ici à la petite. Oh, non, non, je m'en occupe, mais je vais voir si sa caméra est... Je le mets d'abord en grand. Je vous envoie l'invitation pour la caméra. Très bien, c'est possible maintenant, monsieur. Allez. Voilà, c'est passé, passé. Ah, c'est passé. Allez-y. Bonjour tout le monde. Bon, je me présente. Je suis Koulibaly Ousmane Cheikh, dit Ousmi. Voilà, donc j'ai pris contact avec Influenceur 2.0 pour le cas d'un malade. Voilà, c'est une amie en, qui nous a mis en contact. Et son cas est vraiment délicat. Et vu que je suis dans le attends, souci. Attends, tu as pris contact avec qui? Moi, j'ai jamais parlé 2.0. Non, j'ai jamais parlé avec vous. C'est Serge Tano qui l'a envoyé. Serge plutôt. Ah, c'est Serge. Ouais, Serge plutôt. Serge, c'est pourquoi? C'est pourquoi? Cas social. Serge, c'est pourquoi? On est dans le live de. On est dans le live de Élu de Dieu. Mais il faut l'écouter, les gars, les amis, écoutez-le. Non, mais Serge, si c'est un cas social, c'est chez toi, tu sais ça. Tu sais qu'il dit c'est. Non, mais c'est pas que chez moi, influenceur, non. Écoutez-le ce qu'il dit déjà, écoutez-le, vous allez comprendre. On l'écoute. Ok, monsieur Cheikh, allez-y. Donc, comme je disais, j'ai reçu le cas d'un monsieur qui est vraiment très gravement malade. Il a une tumeur au niveau de la nuque. Et j'ai même envoyé à Serge. Et quand il a vu, il a crié Seigneur, en fait, tellement ces choses. C'est touchant, en fait. Et ce monsieur-là, c'est, comment dirais-je, invisible. Il a vraiment, vraiment pas les moyens. Il a été. Et vu que les images sont choquantes et tout, j'ai essayé de mon côté d'avoir une prise en charge pour lui, mais malheureusement, il n'a pas pu avoir parce que il n'a pas la nationalité ivoirienne. Vous voyez un peu. Donc, j'ai contacté Serge pour qu'on puisse ensemble lui venir en aide afin qu'il puisse se faire opérer au plus vite. On peut l'opérer? Oui, oui. Les médecins disent que quoi de son cas? On peut l'opérer, il peut guérir. Oui, il peut guérir. C'est juste une... Ok, vous avez les photos, tout. Oui, oui, j'ai envoyé à Serge. Les papiers, les preuves, tout. Oui, oui, j'ai envoyé la facture pour Foma, j'ai envoyé, comment dirais-je? C'est combien la facture pour Foma? Ça fait 3 millions et quelques. 3 millions, 2 000 euros, 3 000, chose, ouais, 4 500 euros. 3 millions et quelques. Il y a 5 000 euros. Il n'y a pas de souci, on va aller chez Serge. Serge, il va nous dire à quel moment il peut lancer un live, à quel moment il peut lancer un live. Mais attends, Glagla, pourquoi forcément aller chez moi? On va parler histoire de l'élu de Dieu ici aujourd'hui. Tu vas pas nous détruire de nous. Mets la photo, mon frère, mets la photo. Non, il met pas la photo. Faut pas vraiment les descendre, Serge. Tu vas pas venir sur notre panel nous dire ce que nous on va faire. On est ici pour répondre à l'élu de Dieu. Tu veux nous détruire pourquoi? Ousmi. Dans ton panel, Ousmi. On fait les choses. Actuellement, ce panel, en fait, le panel de influenceurs 2.0, c'est un panel de guérin, tout ce qui est renchérissement. Oui, si, je comprends pas. Le panel de demande d'aide et de soutien, là. C'est le panel de Serge Tano, ou bien tu peux aller aussi sur le panel de wakatolove.tv. Voilà, ce sont les deux panels qui sont, voilà. Faut t'abonner à la dame qui s'appelle Steelby. Voilà, abonne-toi aussi à Steelby. Voilà, elle est généralement sur le panel de wakatolove.tv. Voilà, elle est beaucoup là-bas. Voilà, tu t'abonnes à elle, tu t'abonnes à Serge, et puis wakatologue. Quand elle sera sur le panel, tu vas pardon les deux minutes, s'il vous plaît. Deux minutes, s'il vous plaît. Attends, mon frère, pardon. Ce que vous êtes en train de faire, je trouve que c'est injuste. On dit que quelqu'un est malade. On est en train de faire le béret. J'ai pas dit forcément que ce soit sur mon panel. Moi, je suis un peu occupé, je pourrais pas lancer le panel. Le frère m'a contacté. Je lui ai dit, comme je suis un panel, monte sur le panel, explique le problème. Mais laissez-le, va expliquer, laissez-le, va mettre les photos. Laissez-le, s'il y a des gens dans ce panel. C'est toi qui es injuste. C'est pour ça que moi, je ne peux pas être d'accord avec toi. Tu es insupportable. Tu viens ici nous imposer un nouveau thème. On ne veut pas, Serge. Tu vois, c'est pas gentil ce que tu fais. Ok? Tu ne peux pas lancer le live. Tu es insupportable. Tu dis quoi? Je dis, tu es insupportable. Tu es imbu de ta personne. Je suis insupportable. Je suis insupportable. Je suis tout ce que tu veux. Mais ce que tu fais là, c'est plus insupportable que ma personne. Voilà. T'as ton panel? Tu nous dis, les filles, à telle heure, je lance le live, le monsieur va venir, on sent te soutenir. Maintenant, toi, tu viens nous détourner de notre sujet, pourquoi? Parce qu'on parle de ta personne. Mon frère. Depuis 10 jours, tu parles de ça t'a apporté quoi de ta vie? Je vais parler de ça jusqu'à ma mort. Mais c'est ça, mais je te comprends pas. Toi, tu es en relation avec quelqu'un qui est debout, qui a de l'argent, qui a des entreprises. Va là-bas pour le cas de 3 millions, là.
Appelle ta personne, la fille du général, elle donne les 3 millions tout de suite. Regarde, franchement, il faut te revoir, t'es imbu de table, t'es insupportable, je te le dis. Moi, je suis imbu de ma personne, je suis dégueulasse. Je suis, oh là là, mais je suis de ouf, moi. C'est pas vrai. En plus d'être vilaine, d'être, je ne sais pas quoi, d'avoir une grosse bouche. Pas vilaine, j'ai pas rajouté. Donc, si tu es vilaine, ça, c'est toi qui vois. Je dis, Serge, le live du monsieur là se fera sur ton panel. Influenceur a lancé ce panel là pour moi. Vous avez tendance à venir sur les palais des gens pour lui imposer les règles. Pourquoi? J'ai jamais imposé des règles. J'ai jamais imposé des règles. Je vais parler au monsieur. Je vais parler au monsieur. Monsieur Koulibaly, au fait, on n'a pas. Ousmi, au fait, c'est pas qu'on ne veut pas vous recevoir sur le live. Mais depuis 10 jours, tu parles de. Attends, pardon. Depuis 10 jours, tu parles de cette affaire-là. Tu as gagné combien? Tu as gagné quoi dans ta vie? Même si on doit en parler pendant un an, on en parlera pendant un an. Tu as un problème avec Lagla ou bien Serge? Serge, tu as un problème avec Lagla? Je la trouve très insupportable. Non, il y a un problème, moi. Allons doucement. Je suis très imbu de sa personne. Je te trouve imbu de ta personne. Je te trouve manipulateur. Je te trouve manipulateur, Serge. Pardonnez pas. Tu comprends? Serge, moi, je suis imbu de ma personne, logique. Toi, tu es manipulateur, fouteur de troubles, fouteur de merde. Non, faut te calmer. Pardon. Pardonnez. C'est quoi? Depuis hier, tu m'insultes, tu ne dis rien? C'est bon, pardonnez. Pour que nous puissions demander des questions, il ne veut pas. Maintenant, tu viens ici pour nous détourner de notre objectif. Tu montes ici, tu m'insultes, tu es plus ta personne, tu es guindé. Tu sais, tu dis rien, t'as quel problème, Serge? Non, la grande problème. Je dis la vérité, tu n'as pas la vérité. Élu de Dieu, je nique sa race. Serge, élu de Dieu, je nique sa race. Avec tout, y compris. Merde alors! Ta personne actuellement. Je nique sa race! Avec tout, y compris, Attendez, il y a pas de Lagando, attendez, il y a m'adressé au monsieur. Depuis 10 jours là, tu parles de l'île de Dieu, tu gagnes quoi? Je vais en parler jusqu'à la fin de tes jours. C'est un jour du crève, Serge, que j'arrête d'en parler. Serge, on fait pas ça dans ta personne. Non, Serge, on fait pas ça dans ta personne. N'importe quoi. Moi, je lui dis la vérité, pardon. Vous ne voulez pas dire la vérité. Moi, je te dis la vérité. Vous êtes dans des amitiés virtuelles, hypocrites, basées sur l'hypocrisie. Faites la vérité aux gens. À un moment donné, stop, c'est bon. On va passer tout le temps à parler de l'hypocrisie. Je suis hypocrite, tout le temps à parler de l'hypocrisie. Je suis hypocrite. Je vais parler à monsieur. T'as vu qu'on dit la merde, mais ça honte. Tu veux nous imposer la honte? S'il vous plaît. Mais j'ai honte de quoi? J'ai honte de quoi? La personne qui a honte ici, c'est toi. Depuis 10 jours, tu es en train de parler de ta copine, caméra, tu pisses. Là, tu es imbu de ta personne, on te dit la vérité. Tu es les gens honte. C'est vraiment insupportable. Est-ce que vous êtes de notre gueule? Monsieur Ousmane, on va venir en aide à ton ami sous le live de Serge. Motion, s'il vous plaît. Motion, s'il vous plaît. Mutez vos micros, il y a besoin d'une motion. Depuis 10 jours, tu parles de ta caméra de femme. Tu as gagné combien? Tu fais quoi dans la vie des femmes si tu n'es pas pédé? Tu fais quoi dans la vie des femmes? C'est une femme. Ta caméra a un bureau, elle travaille. Toi, tu fais quoi? Tu fais quoi au milieu? Arrête, ma chérie, arrête. Toi, tu fais quoi au milieu? Oui, depuis 10 jours, tu parles de ta femme. Je passe une pièce. C'est pas ma camarade. On te le dit pas. Je parle d'une braqueuse. Je parle d'une escroc. Depuis 10 jours, elle s'en parlerait jusqu'à la fin. Elle t'a escroqué combien? Elle peut m'escroquer. C'est ton cerveau, elle a escroqué. Mais lâche-la. Je la lâche pas. Tous les jours qu'on voudra sur ce panel, on en parlera. Je te soutiendrai dans ce combat. Voilà ta chiennasse. Caleçon, s'il te plaît. C'est bon. Moi, je te supporte pas parce que c'est vraiment désagréable. Pardon, mute le micro, s'il te plaît. Voilà, mute le micro, mets-moi en grand. Il y a passé un message rapidement qui est très important parce qu'il ne faudrait pas qu'on s'éloigne de ce sujet-là. S'il te plaît, mettez-moi en grand, s'il vous plaît.
mettez-moi en grand. J'ai véhiculé un message à M. Koulibaly. Influenceur, mettez-moi en grand. Influenceur, tu es là? Il n'y a pas de modo ici. Ghislaine. Mettez Ghislaine. Voilà, merci beaucoup. Monsieur Koulibaly, désolé encore du désagrément. Désolé pour tous les petits bobos que vous avez eu à entendre. Voilà. Sincèrement dit, ce panel-là, comme on vous l'a précisé, nous sommes en train de dénoncer quelque chose. Voilà. Et voilà pourquoi on vous a répondu ainsi, pour vous dire qu'il faudrait que vous alliez, quand le Serge va lancer son live, parce qu'il y a des panels qui sont adaptés, vraiment prêts à pouvoir aider certains cas. Donc, nous ne sommes pas ici pour vous jeter ou refuser les aides, mais nous sommes ici pour renchérir, pour exposer un problème. OK? Nous sommes en train de dénoncer une arnaque et des moments et des personnes qui se sont fait voler, arnaquer par une tierce personne. Donc, s'il vous plaît, ne prenez pas cela en mal. Mais lorsque M. Serge Tano lancera son panel, il y a une dame appelée la grande sœur ici, Stibi. Vous vous abonnez à elle. Elle sera dans le live d'une de ses camarades, d'une de ses sœurs. Vous allez aller là-bas. Eux aussi, ils font des dons de charité. Ils font des aides. Ils vont vous aider. Si nous aussi, en notre qualité des personnes lucides, vraiment, qui peuvent, si des personnes vraiment de bonne volonté veulent vraiment aussi participer à cette cagnotte, toute personne pourra essayer de donner ce qu'il veut vraiment à, comment on appelle ça, à cette cagnotte. Mais là présentement, c'est pas le moment. Je vous en prie, ne soyez pas fâchés, ne soyez pas vraiment touchés. Le moment n'est pas la bienvenue. Nous sommes vraiment désolés. Aujourd'hui, nous sommes dans une phase de dénonciation. Voilà, ne prenez pas en mal. La prochaine fois que vous allez voir M. Serge Tano en live, vous montez dans ce live et vous allez voir qu'il va organiser une cagnotte pour votre frère en question, qui est Monsieur le Vigile, et vous allez publier les photos, les vidéos et tout ce qui y va avec. Mais aujourd'hui, présentement, le moment n'est pas le bienvenu. Merci, c'était le message que je voulais vous véhiculer. Ne prêtez pas attention à tout ce qui se passe sur le panel. C'est juste des personnes qui sont juste en train de renchérir. C'est des personnes qui s'aiment bien. On n'est pas ici pour essayer de... voilà. Mettre de l'embrouille et tout. Voilà, merci, c'était juste ce que je voulais signaler. Vous pouvez m'enlever un grain, on peut continuer. Ok, je vais rapidement parler, puis je vais descendre. Et peut-être que ce sera la dernière fois que vous allez me voir, même sur des lives, parce que je commence à comprendre que le groupe virtuel des Ivoiriens, c'est un groupe qui sont basés sur l'amitié hypocrite. C'est dit que il y a des gens, il faut les dire la vérité. Il faut les dire la vérité. À un moment donné, stop. Et stop, nous avons parlé une fois, deux fois, trois fois. On nous a dit que l'affaire est en cours. Mais laissons l'affaire aller en cours. Qu'est-ce qu'on a à parler de ça, à remuer? À un moment donné, c'est fatigant. C'est-à-dire que les neurones sont fatigués de cette histoire. Moi, personnellement, je vous le dis en vérité. Hier, quand j'ai fait un live, j'ai dit, je demande pardon. C'est pas parce que je disais qu'elle est de Dieu coupable ou quoi que ce soit. Pardon d'avoir parlé dans cette histoire. Parce que à un moment donné, stop. Des gens se sont donné un genre dans cette histoire, comme s'ils pouvaient même déplacer des montagnes. À un moment donné, stop. C'est bon. C'est bon. C'est-à-dire qu'on ne vous dit pas la vérité. Les gens sont là, vas-y, parle. Non, mais quand on se prend WhatsApp, on discute là, on dit, ouais, telle personne abuse, telle personne. C'est les hypocrites, je te le dis, Gagla. Les gens sont hypocrites autour de toi, je te le dis, parce qu'il y a des... Y a des... Oh, pardon, toi, s'il te plaît, ferme ta bouche, pardon. S'il te plaît, ferme ta bouche. Oh là là. Ferme un peu. C'est la personne même qui m'énerve le plus dans tout ça. Je le dis en vérité. Oui. La personne même qui m'énerve même le plus, c'est toi. Tu m'énerves d'un jour là, tu ne sais pas ça. Ferme là, s'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît, ferme là, pardon. C'est la personne même qui m'énerve le plus dans cette histoire. Voilà. Donc, moi, je dis, je répète. Je dis, je répète. Il est là, il te joue les tontons là. Il faut que je dise, il te joue les tontons. Toi aussi, t'es pas un but de ta personne, mais il y a quelque chose qui va pas bien chez toi aussi. Toi, tu dois être en décharge moins 30, je sais pas quoi. Un truc comme ça. Mais en tout cas. Et toi, tu dois aller voir un psychologue pour remettre toutes tes idées en place. Parce que j'ai l'impression que tu t'échappes de ta tête. Bonne journée à vous. En tout cas, une chose est sûre, c'est que vos camarades sont au travail. Moi, je vais au travail. Mais parler de quelqu'un pendant 10 jours, t'attends de gagner ces 17 millions, c'est vraiment énervant à la fin. La preuve, tu t'en panais, tu ne laisses pas les gens monter pour demander les questions. Yadir! C'est incroyable, hein? C'est-à-dire que quelqu'un qui l'explique. Attends, je vais parler, s'il te plaît, je ne vais pas jurer. C'est incroyable.
C'est-à-dire que vous voulez berner les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur TikTok. Pendant combien de mois, nous étions avec cette femme-là, en train de l'écouter. Même moi, mais qui était dans son groupe-là, quand je rentrais là, je ne rentrais pas comme ça dans les organes, en rentrant en dessous des gens, les insulter d'une manière que ce ne sont pas des êtres humains. Cette femme n'a aucune prière, elle n'a aucune limite. C'est de ça qu'il s'agit. Donc aujourd'hui, elle se prend pendant 2 semaines des renseignements, c'est parce que pendant combien de mois, elle n'a fait qu'attaquer plusieurs personnes sur la toile ici de façon injuste. Sauf peut-être qu'on lui envoie des pics. Donc elle retrouve ce qu'elle a filmé, c'est tout. Peu importe le temps que ça va prendre, c'est la personne qui était blessée par cette dame avant renseignement, elle est juste une histoire fatiguée, parce que c'est son tour de prendre la consigne. Et elle, la consigne, elle est grande, parce qu'elle a touché masse de personnes. Comprenez ça. Maintenant, si vous ne vous rappelez pas, dites qu'on va jouer les vocaux de ce qu'elle disait. Aujourd'hui, elle s'est fait passer pour quelqu'un de trop calme, de trop respectueux. Ce n'est que couverture, je vous le dis. Bienvenue aux nouvelles questions. Si vous voulez qu'on vous annonce l'image de cette personne, dites-le, suivez à l'ordinateur portable du passé de cette dernière. Vous allez entendre ses propos lorsqu'elle s'en prend à quelqu'un. Elle est sans pitié, sans vergogne. C'est de ça qu'il s'agit. Envoie les vocaux. Pendant 2 semaines, vous trouvez que oui, on abuse rien du tout. Et elle finit de faire les likes pour t'insulter, ou bien qu'elle reçoit les likes pour t'insulter, elle continue partout, elle te voit sur Internet, elle continue dans les commentaires, elle t'insulte dans les commentaires, elle fait de l'acharnement sur les personnes. Donc c'est ce qu'elle a fait sur nous autres à cause d'entendre de lui donner, c'est tout. Si vous ne voulez pas faire partie, restez dans votre coin et puis observez. Elle ne fait que recolter ce qu'elle a semé. Merci. Moi, je voulais dire tout simplement, cette dame est sortie hier parce que tout ce qu'on dit sur les panels la touche. Si ça ne la touchait pas, elle n'allait même pas sortir. Moi, j'ai juste un mot à dire. C'est un anneau, au repos, ton groupe WhatsApp. Ce que vous dites dans votre groupe WhatsApp, j'en ai rien à cirer. Je ne vous connais pas. Je ne vous ai jamais vu. Ce qui se dit dans votre groupe WhatsApp sur moi, sur ma personne, c'est ton problème. Moi, j'estime que les gens qui sont avec moi sur ce panel-là ne sont pas des hypocrites. C'est tout. Chacun voit midi à sa porte. Il n'y a pas d'hypocrite ici. Quand je suis arrivé sur TikTok, j'ai commencé avec les mêmes personnes. Stella Bonin qui est là, Stevie qui est là, Influenceur qui est là. Jusqu'à aujourd'hui, on est toujours là. Vous, où sont vos groupes? Les gens avec qui vous avez commencé, vous êtes où avec eux aujourd'hui? Moi, jusque là, je suis encore les mêmes personnes. Stella Bonin depuis Facebook. Depuis Facebook, Stella Bonin. Influenceur Sibi, la première personne que j'ai croisée sur TikTok. On est toujours là. Donc, dans les groupes WhatsApp. Vos groupes WhatsApp, hein? Bien profond. Tu peux passer ça à Rocky. Si tu trouves ça trop gros, tu donnes à Rocky. Elle, ça glisse chez elle. Hé, Rocky. C'est toi, on attend comme ça, hein. Au lieu de faire live au milieu de la nuit, tu as ronflé sur nous comme tu as fait hier, là. Vraiment, c'était pas respectueux. Tu es venu ronfler sur nous pour rien. Tu dis ta papo. Faut envoyer le papo, on va renchérir dessus. Bonjour. Attends, elle ronflait. Ne me dis pas qu'elle a ronflé hier. Tu as voulu habiter son micro. Elle a ronflé. Wow. Quand je suis grippé. Les gens, elle ronfle aussi. Ah, ça. C'est moi le papo. Qui a enregistré le renflement de Rocky? Est-ce qu'on peut la voir, s'il vous plaît? On va jouer ça. Elle est captureuse, là. Vous n'avez pas capturé le renflement de cette dame-là? Nous, là, tu étais là-bas, hein, je t'ai vu. Les abonnés vont bipolaire. Quand ils sont à droite, ils commentent à droite. Quand ils sont à gauche, ils commentent à gauche. On vous a vu là-bas hier. Influenceur, pardon, faut mettre la voice du colonel. Le voice de la fille du colonel. Bon, mais veille-moi, j'ai fini de manger. Oh. Et toi? Voilà. Le voice de la fille du colonel.
prendra ça pour faire une sonnerie, hein, la sonnerie de notre téléphone, des hommes. C'est l'abonné. T'as les captures, non? Que tu m'as envoyé hier. On va écouter un peu. Il est quelle même? 11h52. Oh. Je ne suis pas sa fille, je me dissocie. Tu te dissocies de quoi? Tu peux pas te dissocier? Allez faire expertiser la voix, authentifier la voix. Toi, ta voix, là, on va mettre ça dans l'appareil pour authentifier. C'est pas l'appareil qui a grillé. Qui va prendre son argent pour aller authentifier ta vilaine voix, là? Yessi Togolaise. Yessi né au Togo. Tu es né au Togo. Ta tête est sortie en Côte d'Ivoire. Qu'on est né au Togo en novembre 89. Né en Côte d'Ivoire. Tellement que ta carte est fausse, on met commune Côte d'Ivoire. T'en as vu quelque chose dans tes mains, commune Côte d'Ivoire. Et je demande à quelqu'un qui est en Côte d'Ivoire, qui a sa pièce d'identité. Barre ton nom, avec ton truc, tu nous envoies, on va exposer. Et puis les gens vont voir combien de communes là, on va voir ce qui est écrit. Oh, commune Côte d'Ivoire. C'est moi, je peux vous bien vous bégayer. Je parle seul depuis là-bas. Tu t'es muté peut-être. C'est quoi tout ça là? Yedio, pardonnez, tout ce qui s'est passé tout à l'heure là, on n'a qu'à oublier en renchérissant, c'est tout. Laissons tomber tout ce qui s'est passé. La grande, on n'y met pas les organes. Voilà, faut laisser. T'as compris non? Faut laisser. Stark, allô. Il te sert de prendre. On n'a qu'à laisser tout ça, hein, pardonnez. Voilà, on n'a qu'à continuer. On n'a qu'à parler de. On n'a qu'à décortiquer le live de. C'est l'abonné. On voit le live, on va décortiquer. Écoutez. Voilà, j'ai une vidéo ici. Maman des filles, ton maudit, il faut garder tes papous là d'abord au chaud. Non, mais pour revenir, c'est vrai que mais arrivé à un certain moment, il faut arrêter. Faut pas abuser en fait. Faut pas abuser. Parce que ce qui est en train de se passer là, ce n'est plus le game. Hein, parce qu'ils ont l'habitude de dire game, blablabla, je renchéris, on se titille. Mais ça, c'est pas titiller quelqu'un. Ça, c'est pousser quelqu'un vraiment à la dépression. C'est parce que cette dame-là, elle est forte, en fait, parce qu'elle sait que c'est des imbécilités, donc elle ne prend pas vraiment à cœur. Mais si c'est une personne qui n'était pas forte, en fait, mentalement, moralement, ça pouvait la toucher. Non, mais on ne peut pas s'asseoir sur la vie de quelqu'un comme ça, venir afficher son mari, c'est-à-dire que mettre la photo du monsieur, mettre la photo de l'enfant, c'est-à-dire que ces personnes-là n'ont rien demandé, en fait. C'est-à-dire que si vous avez un problème avec Élu de Dieu, vous avez un problème avec Élu de Dieu. Élu de Dieu, c'est qu'elle est sur le net. C'est ce que c'est, donc voilà. C'est-à-dire que vous n'allez pas avoir un problème avec elle, et surtout, c'est pas votre problème. C'est-à-dire que nous tous qui sommes en train de parler, ça ne nous regarde pas. C'est notre papa Toya qui fait qu'on met notre bouche dedans. Maintenant, si on met notre bouche dedans, va falloir savoir doser. C'est-à-dire qu'on peut pas dépasser les bornes. C'est-à-dire que ils ont dépassé les bornes, en fait. Ils ont dépassé les bornes. Non, moi je dis non. Même la pièce d'identité, la dame a montré sa pièce d'identité. Maintenant, vous partez zoomer, venir montrer son nom, montrer sa date de naissance, montrer tout ça. Là. Est-ce que, normalement, est-ce que ça se fait? Ça ne se fait pas. Les Africains, tout est possible. Hein. Les Africains, tu connais. Ouais, mais oui. Africains, quand l'Africain a l'opportunité de dire, il va te détruire. Ouais. Donc. Ça doit même pas. Ça, c'est Glorious qui parle. Être quelque chose de bizarre parce que. C'est ça. Aujourd'hui, on a. Stevie, c'est pas elle-même qui a donné sa carte d'identité. Bien sûr que c'est elle. Dis-toi qu'ils ont accusé Infacitable d'avoir pris sa carte d'identité pour une déposer sur les réseaux. N'importe quoi. Pourquoi Infacitable a donné quoi? Que c'est quelqu'un qui est proche d'elle. Tu as pris ses photos. Attendez, Glagla, j'ai la capture du renflement de Rocky là. Est-ce que tu sais qu'elle a même pété? Oui? Attends, écoute. Ah, son côté. Ne fais pas ça.
attends, c'est quel nom ça, Seigneur Glad... Tu as entendu faire là. On peut péter et puis ronfler comme ça. Donc c'était ça la pause. Vous avez entendu? On peut péter et puis ronfler comme ça. On peut péter comme ça à l'aise. Ils sont en train de faire rancher. Ils sont en train de m'abuser. J'ai entendu la télé. Hey. On peut lâcher puis ronfler comme ça. Vas-y, Glagla, allez-y, renchérissez. Mais c'est elle qui a envoyé. C'est elle-même, elles ont accusé hier. Eh, hey, Dieu ma force. Hier, là, dans les commentaires, là, elles étaient en train d'accuser Infacifiable d'avoir été proche d'elle et d'avoir pris ses papiers pour venir donner ça sur la toile. Alors que c'est elle-même qui a sorti ses papiers chez Serge. C'est elle-même. Chez Serge et puis chez la tante. Excuse-moi, je veux répondre à quelqu'un. Rasta. Franchement, je te croyais en fait assez drôle, mais je pense que tu es une personne... Tu n'as même pas le droit de venir poser une question à des personnes dans ce panel-là. Tu comprends? Tu es qui pour demander, on veut voir la vidéo? Tu n'étais pas assis, il n'y a même pas 3 jours, l'autre côté en train de dénigrer les gens? Moi, je trouve un peu aberrant des hommes qui n'ont pas de couilles pour dire la vérité à des personnes. Hein. Parce que vous pensez que tout, c'est un jeu. On peut être si bipolaire. Des hommes qui n'ont pas de personnalité. Vous suivez des gens comme des abrutis sur les réseaux sociaux. Cette question-là, va poser ça à Stella où tu étais assis hier, qui était en train de raconter tout et n'importe quoi. Mais ne viens pas mettre ce genre de questions ici. OK? La glace, s'il te plaît, continue. De toutes les façons, c'est des gens qui n'ont pas de moralité. Venez poser des questions. Vous laissez là, ça. D'abord. Bonjour. Bonjour. Mehdi. Moi qui est méchante. Hein. Pourquoi tu dis que quelqu'un est ta personne? Et puis, on a bien mal nos commentaires comme ça. Et puis, tu peux même pas mytho bien bloquer. Tu laisses moi, on l'insulte bien. Et puis, t'as une explication là. Mais oui, c'était sa vie avant. Et puis, vous dites non, truc, mais c'est, oh, c'est pas possible. Mais il y a comme ça, ici, de passer. Elle n'a pas lieu d'être. Franchement. Elle est sortie parce qu'elle croyait que quand elle allait sortir, les gens de notre côté allaient monter. Mon bon, la maman des filles est montée. Elles ont descendu. Elles n'ont pas supporté. Elles ont descendu. C'est la seule personne d'ailleurs qui est monté sur le live. Mais elles espéraient que ça allait renchérir, ça allait pousser. Nous, on a posé ici, on était là causé, on est monté à 300. On n'a même pas parlé de Biama à quelqu'un, on est monté à 300. Vous, t'as mis ma photo, tu as mis le titre avec mon nom. Dagla, comment tu peux comparer mon panel à celui de Rocky? Tu me fais du mal là, toi aussi. J'explique à Rocky qu'on n'a pas besoin de prendre le nom des gens pour avoir 300 personnes. Le pic qu'elles ont fait, 256. Et ça, c'est quand la diablesse, l'escroc notoire, la brigande des grands chemins est montée sur le panel net avec son caniche de service. Parce que pour le moment, c'est un caniche de service. Ça va se retourner contre elle. Dora et sa sacoche. C'est quand elles sont arrivées que ça a fait 256. Mais quand la dame lui a posé les questions, elle n'arrivait pas à répondre. C'est abaissé jusqu'à... On est quitté là-bas même. Juste là, il y a 56 personnes, non? On est quitté là-bas, il n'y avait plus personne. Il y avait une chose seulement qui était là à mentir. Moi, j'ai aussi quitté là-bas même avant. Hein. Il a dit au revoir même Pessy Patty. Il a dit au revoir même à la voleuse les Pessy Patty. Oui, c'est un qui s'est passé après. L'une des audios de lorsque la dame, là, elle insultait les gens, là, s'il te plaît, pour que les gens voient un peu son état animal. Merci. D'accord. Donc voilà, si on s'arrête là, le temps que Sibé cherche l'audio. Si on en arrête là, toi tu dis que nous on a mis sa quarantaine. On n'a pas mis sa quarantaine. Vous dites que moi je m'acharne. Moi je m'acharne pas. Moi j'ai sorti. Parce que vous m'avez menacé que vous avez mes dossiers. Et vous m'avez menacé longtemps dans les commentaires. Reste à 5 étoiles, s'il te plaît. On sait que c'est ta personne. C'est ça, non? On sait que c'est ta personne. Nous on n'a pas de problème avec toi. Parce que moi-même discuter avec toi, ça me rend malade. Voilà. J'étais loupé à cause de Chacha. Donc je te vois loupé. Donc pardon. Faut me voir loupé aussi. Ah. Elle dit que nous, moi, elle m'a menacé longtemps dans les commentaires qu'elle me mette en prison. Elle me fait cela. Moi, je n'ai rien dit. Moi, je n'ai jamais menacé cette équipe-là que j'allais casser Papo sur. Un jour, j'avais Papo, j'ai déposé. Maintenant, si les gens sont en train de dépaporiser, je donne mon avis. On ronche là-dessus. Vous dites que je m'acharne sur. Je m'acharne pas sur. C'est Serge qui dit que lui, il est de la factualité et que lui ne croit pas qu'il veut des preuves. Donc, non, lui, on va prouver tous les jours. Si vous voulez que ça arrête là, dites à Serge de se taire. Dites à toutes les personnes qui vous défendent là de se taire. Parce que à chaque fois que vous allez sortir,
on va sortir des nouveaux trucs. À chaque fois, parce que on a bagage, on a mallette sur vous. Toi, Rocky, tu as papa sur moi. Pardon, faut casser, on va rancher dessus. Et puis, il y a un courrier dans ton âme. Il y a un courrier dans ton âme. Rocky, pardon, faut déposer mes papos. Moi, mes papos, il n'y a pas de problème. Tu déposes, même si tu dis que je suis quoi là même, je suis pute. Tu t'en as même trouvé photo d'une fille, tu mets ma tête dessus que ça me prostituer. On va rancher dessus. On va critiquer même les végétus. Tu dis que je suis, je fais partout. Faut envoyer, on m'a dit, faut envoyer photo, faut envoyer la l'audio plus la vidéo de mes patous. Hey, on va rancher sur les gars qui sont dans la patouse et moi. Ça dit pas que non, on te laisse, on te laisse. Il a dit tous pas, tous pas, tous pas, tous pas. Tu dis quoi? Il fait ça. Tous les gens qui sont dans tous pas et moi là, voilà quand ils sont déchirés, on va rancher sur eux. S'il y a une parmi les filles dans la tous pas qui a végétu, on compte ses végétu. T'as pas ça? Au calme. Oui. Comment j'ai entraîné de la tidine? La professeure de ça là, c'est la sorcière. Donc, je lui montre. Ne soyez pas choqués du fait que je m'en prends à elle. C'est elle qui m'a montré ça. Comment faut harceler, comment faut rancher, comment faut diamant les gens. Faut pas les laisser jusqu'à ce que tu sois toi-même épuisé. Donc, je ne suis pas encore épuisé. Partout où on parlera d'elle, je vais aller la diamant. Si elle est sur un panel, je vais la diamant dans les commentaires. Bien. C'est depuis comment c'est fatigue des renchérir. C'est depuis quand? Aïe, tant qu'il y a un moteur renchéri. Et puis si le test est mal écrit, on va renchérir celui qui a fait le test. On va renchérir toutes les lettres du test. Chaque lettre alphabétique, on va renchérir là-dessus. Et puis ceux qui parlent même des personnels, ils viennent des dossiers. Mais si toi et moi, on ne se parle pas bien en discours, tu as eu ton affaire, de te laisser passer. Blablabla. Aïe, renchérir dessus, comment est-ce? Je t'ai dit de coder, faut parler en nous aussi. On dit tous pas. TikTok, t'as. Ils t'ont. Comment on appelle ça? Il a descendu. Signalé, ouais. Ah. On va coder le live, s'il vous plaît. TikTok, dès. Ils m'ont signalé. Ah, de tous pas. Il y a un rancher. Envoyez-moi tous vos papos, on va dépaporiser. Moi, il me laisse pas, hein. Moi, tu dis, je suis vilaine. Moi, mes marais, mes amis, ils m'ont dit, ouais, c'est vrai, je suis vilaine, hein. Et puis, on continue mon chemin. T'as demandé, mais me laisse. Moi, je me laisse pas. Je me laisse pas. Non, c'est pas toi, y'a le raté. Quand tu finis un mois, là, et puis tu dors, tu as oublié. TikTok a oublié, on est passé à autre chose. Et puis, un matin, BI, je te fais sortir. Toi, Viviane, j'ai deux témoignages dans mon téléphone. Là, d'ici lundi, on m'envoyer, c'est quelle bouche ça? C'est qui ça là? Pardonnez, c'est pas moi, pour une fois, c'est pas moi. Je sais que je suis laide, mais pas à ce point-là. Attends, c'est celle-là, attends, je te dis, c'est celle-là, c'est qui fait ça? Ah, faut mettre le renflement avec. Oui, c'est celle. Mais quand tu vois né ça là, ça peut que ronfler quoi. Rocky la cochonne. Mais ça là, faut pas l'appeler. Ça là, c'est une chose non. Rocky, c'est. Rocky, le pire. C'est son nom. Quelque chose la cochonne là, il avait son nom. Et puis elle pète encore. Et puis elle pète tout dessus. Ouais, ma chérie, tiens. Il y a né, hein. Tu as ton nez de profil, on a pas moins bas. Ouais. Tu es né. Tu es dans les abîmes. Tu es né pour. Dans les profondeurs de l'enfer. Ouais, tu es né quoi. D'accord. Je pense que c'est l'aide, mais ne dites pas que c'est moi qui suis là. Okay, né pour. Ok, la cochonne. Cochonne, elle est née, elle n'est pas qui la cochonne. Et puis elle ronfle la pète en même temps. Et puis elle ronfle la pète. C'était ça. C'était avec Barrel et quelqu'un d'autre. Elle dit, hé, mes amis, venez. Sur les lives des influenceurs, il y a un minel qui fait ça. Il y en a un mourir. C'est pour ça qu'elle ne fait jamais de vidéos en caméra. Elle même la fille même la refuse. Elle même fille dit ça, mais quand la y a même la chapeau. Il a jamais vu ça. Elle dit là, son vilaine, mais elle peut jamais sortir sans fille, mais sans make-up ou bien sans quelque chose. Pourtant, la vilaine là, elle sort tous les jours. Quand elle veut, elle mettre la caméra ici, elle fait ça. Mais vous qui êtes les belles là, vous voyez même là, c'est une fois sur 10.
Une fois si. Tous les papos que tu as sur moi, regarde. Voilà, à cause de cas d'identité hier, on a bloqué Wakatolog. On ne peut pas rancher là-dessus parce que ce n'est pas intéressant. Regarde. Comment elle s'appelle? Biscuit de mer. On était derrière elle, on a fait chose clan derrière elle. Elle nous a laissé au carrefour. Elle est partie mougou pour nous laisser. On n'a pas béré en ce moment. On n'a pas béré. Donc, mamie, pardon, prends mes papos. Faut déposer. Nous, on va faire notre live. On va prendre les papos dans mon live et puis on va décortiquer. En ce moment-là, tout TikTok attend mes papos. Ben, où vous êtes là? Moi, je vous dis, vous n'avez pas 52 papos. C'est quoi ça là? Pourquoi tu l'as fait bouger? Pas mes frères. Nous, on n'a pas 52 discours. Vous là, votre papo là, c'est elle fait tous pas. C'est elle a VIH. C'est elle fait quoi là même? Voilà. Voilà vos trois trucs. C'est les trois trucs là qui font allusion à une sale vie. Mamie, où tu as le nez que je viens de découvrir? Si tu t'invites dans une tous pas, ma chérie, tu as couru. On dit tous pas en Suisse. Hein? On n'a pas dit tous pas des bois de Boulogne où tu vas t'arrêter là. Hein? Non, on dit tous pas en Suisse. Tu as venu t'arrêter pour dire que non, on dit que tu es malade. Ma chérie, il faut envoyer le test. Nous, on va rancher là-dessus. C'est pas yaya. Nous, on est prêts pour vous-même. Ok, on est prêt pour vous. Il n'y a pas quelqu'un qui a fui le débat. Si vous voulez là, oubliez, on va vous oublier. Puis dans 3 semaines, 1 mois, envoyez. On va rancher. Moi, je nie pas, je ne fuis pas. Je t'ai dit une chose. Ce qui ne m'a pas tué sur Facebook ne me tue pas sur TikTok. Au contraire, ça me rend plus forte. Quand tu vas sortir ça là, ça, il me reste 2000 abonnés pour arriver à 10 000. Dès que tu lances ça net, je fais mes 10 000 abonnés. Dans ton corps, ton vieux corps, tu as mis pommade. Quand tu es devenu jaune. Là, comment t'es devenu jaune? Je sais de quoi, il peut plus te répondre. Y a toi. Y a perruque. Voilà, perruque. Ça, là, c'est le perruque de la dame. On lui a envoyé une, le perruque Gojo, là. Là, il discute avec moi. Y a un petit perruque pour aller le matin faire les petites courses. Y a ma petite perruque. Y a. C'est qui? C'est Rocky? C'est Peggy la cochonne. Oui, c'est Rocky. Rocky la cochonne. Y a né. Comment la cochonne? Pour briller dans les abîmes. Quand je vois ce visage-là qui a insulté maman Cathy ici, ah, je suis dégoûtée. Si c'était joli, ta vie est fascinante comme elle est belle. Je comprends pourquoi vous êtes fâchés. Après, votre groupe-là, on dit à une sonzaille remplie de boutons comme ça. Elle ne peut pas venir en caméra. Un peu de gommage, s'il vous plaît. Je comprends pourquoi vous enveloppez, petite fille. Il y a qu'elles sont déchirées. Elle se met en vidéo, sans complexe. Elle est belle. Oh, enlevez celle-là. J'ai envoyé des... C'est celle qui a besoin de gommage, là, c'est celle-là. j'ai besoin du nom du feat qu'on a utilisé la dernière fois, hein, parce que j'ai mon Mac, je pense que je vais utiliser le même feat. Il y a feat TikTok. Parce que je pense qu'à partir d'aujourd'hui, les feats sont mon combat sur TikTok. Je vais prendre le même feat là. Le feat qui a rendu le visage de la personne comme si elle venait juste de rendre l'âme là. Ça, André. Non, il faut que ce feat là, je ne sais pas comment est-ce qu'on appelle. Son âme l'a lâché, cette partie là. Vivi, j'ai envoyé quelqu'un à Angre Caféier. Donc, d'ici lundi, mardi, au chaud, il y a des rendez-vous visites. J'ai dit, attendez, on va décortiquer un peu le visage de ma sorcière. On n'envoie pas. Sachez que l'élu de Dieu est ma sorcière. Je vais vous expliquer. Le décortiquage du visage. Attends, comme ça, à Viviane. Sur cette photo, bon, lors d'une vidéo. Elles sont, attends, s'il te plaît. Elle laisse comme. Attends, pardon. Pardon. Il y a ça. C'est ça qu'elle fait la comédie. Faut laisser celle-là. Dis, Vivi, si tu non, sors. Non, Vivi, Rocky. Elle non. Ils ont fait ça juste pour avoir, Vivi. Voilà. Pardon. Des gens l'écouter. Faut mettre la vraie sorcière. Elle laisse ma commission, tu as parlé. Aïe. Ok. Ah. J'ai dit, Vivi. Je te laisse le message. Je sais que tu es là. Tu es là.
Parce que toi, tu es tellement bête. Ton vrai compte, c'est Yapo Viviane. Ton faux compte aussi, c'est Yapo Viviane. Hier, j'étais muté. Tu es venu à Yapo Viviane pour partager live. Avec ton faux compte, Yapo Viviane. Tu es bête comment même? Comment on t'a pas expliqué? Quand on a faux compte là, on met Yapi, Yapo Viviane. Tu mets Yapi, Viviane, pas Yapo. C'est comme c'est YK qui vous dérange à Yo, Yao. Yapo, Yapi. Donc, il faut venir maintenant avec un faux compte où tu vas écrire Glagla, mon compte. Tu mets Glagla, mon combat. Tu mets Glagla, ma grande soeur. Si d'ici la semaine prochaine, ta maman reçoit pain, huile, savon, riz, hein, hein, les trucs, faut pas être étonné, c'est moi. Je viens habiter chez vous. Si tu parles à ta maman, qu'elle ne te répond plus, ça veut dire qu'elle a changé d'enfant. De fille unique. Tu vas avoir une grande sœur. À partir de maintenant, je causais ta maman. Et tu parles en même temps. Quand elle est venue déposer ici, il y a la 8e civile pour aller prendre photo des tombes pour venir mettre là. Faut pas t'a dit que c'est méchante. Vivi, faut pas t'a dit que c'est méchante. Parce que quand on m'insulte, tu es assise là-bas et puis tu applaudis. Et puis tu fuis, tu vas sur live des calendaires pour dire, Glagla, c'est ma grande sœur. Je ne suis pas ta grande sœur. Tu es plus vieille que moi. Tu comprends? Tu es plus vieille que moi et tu sais de quoi je parle. Donc, Vivi, je te préviens, la semaine prochaine, si tu vois les choses rentrer dans mon cou, il faut savoir que c'est moi qui suis en train d'habiter là-bas. Quoi. Tous les matins, quand tu dors, tu te réveilles, je te prends en photo et je poste sur TikTok. Bah, vous, chez vous là-bas, là, vous êtes facilement manipulable. Il n'y a pas un dans votre maison là qu'on peut attraper. Il n'y a pas un. Voilà. Tu n'as pas. Tu as un frère, non? Tu as un frère. C'est ton cousin. Mm-hmm. Tu as tes deux soeurs à ça là. Voilà. Donc, ça t'a rendu ton. Tu n'es pas bien dans ta tête. Quand on te donne 1000 francs, tu penses en donner 1 million. Tu es content, tu parles. Les jours que tu as venu gâter le coin sur la femme là. Faut me prévenir, t'as mon numéro. Il t'a donné mon numéro à la dame là, non? Pour qu'elle dépose plainte contre moi. Faut me prévenir, t'as mon numéro. Avant que t'as venu gâter le coin sur elle là, t'as venu la descendre dans la boue là. Faut me prévenir, elle a quitté TikTok. Tu comprends, Vivi? Voilà. Donc, à la semaine prochaine. Voilà. Pour des prochaines situations. Toi, il